Adicias Boaimon ne plabengut se per aquela nouvelle édition del magazine Carrecar, Uaiten del Nou, sen aqui jus los bons auspices de Clemens Isaor, ni la sala que porte ce nom à l'hostal d'Assezat, lo seti de l'Académie des Jocs Florals de Toulouse, fundada per aquesta donna en 1323. Mas per uei parlarem pas donc de poésie au troubadourenc ou alors de poulies de littérature en karaoké, parlarem subretout d'Occitanie et de sa relation aux Améloriens, à me le nostre convidat Alain Suré Garcia. Bonjour Alain. Bonjour. Alain Suré Garcia nous en attaqua directement à l'actualité qui pertoque directement l'Orient d'aquesto pas, à saber la déclaration du ministre de la Défense dins Le Figaro qui considère que cal torna en Libye pramou ben city une hub terroriste. C'est d'accord avec elle ou pas? C'est tout un compliqué parce que cal considère ce cause d'un point de vue géostratégique. Et donc, ici sont des paroles, comme on se dit, à l'emporte-pièce, quelquefois, sur le moment. Et les causes plus compliquées que ça. Et si France est intervenue en Libye, qu'elle savait pourquoi, et en quel moment. Et qui n'est un peu Beléu, ou qui s'est dit un peu l'impulsaire, d'accord, qui est Bernard-Henri Lévy, pour des raisons stratégiques, sûres, mais surtout, c'est une cause qui a bien oublié à niveau de la politique intérieure française, bien, qui ne se rapporte, il y a bien eu, entre Kadhafi et le gouvernement français de Sarkozy. Donc, vous pensez que Ical Pastorna, c'est un héros de tourner à faire une intervention militaire? Parce que tourner en caro, intervention militaire, c'est ici qu'il y a un quicom qui est au même barrage. Parce que, normalement, qu'elle pense à la cause, c'est plus ample, et qu'elle pense qui est la place de France dans l'encastre de la mare, de la mare nostro et d'autres. Hein? Donc, qui est la politique d'intervention d'aitant que sommes dans une période encore post-coloniale et donc que notamment tout ce qui est le domaine africain est encore dans ce que disons la politique de France-Afrique. Et dire les intérêts. Calvez, qui sont les intérêts français encore et tout un tourne en général à l'entour de les énergies. Donc toujours une politique post-coloniale d'Isias, mais Jean-Yves Le Drian insiste ici sur le fait qu'il y a un risque de jonction en fait, entre aquelles califates, c'est-à-dire les territoires managés par aquelles groupes armés, souvent salafistes et autres, donc, tendances. Donc, pensez que... avant, à quelle possibilité, c'est une question complètement nouvelle Justement, est-ce que l'Occident, à quelle gestion des conflits, à quelle zone, a fait preuve d'ingénuité, selon vous? Non, pas d'ingénuité. Il n'y a pas cap d'ingénuité dans la politique des États. La politique des États est une politique du cynisme. Onde que se joga? Donc, ce sont des rapports d'intérêts. Qui tombent, c'est un distributeur d'armes. Oh, comment se distribuent les armes? Vous savez que France et Beléoulou, selon nous, traînent vendeurs d'armes, que ce soit en Arabie Saoudite, qui est l'aliment des copes qu'il y a des mouvements extrémistes à niveau musulman. Donc, une thèse d'ingénuité, c'est la place de France, qui est intéressante à qui te dit, une thèse de bonne place, dit que c'est encore la cinquième potentia au monde. Je ne sais pas si c'est exact. Et à quelle place de France, général de Gaulle disait que ce qui garda l'idée de la grandeur. Est-ce qu'il s'aime encore dans quel objet? Est-ce que France veut continuer à régir les affaires du monde méditerranéen ou pas? Et pourquoi? Et qui pèle cop est une longue dose force, donc France et Grande-Bretagne, deux alliances traditionnelles, c'est pensant par exemple à la crise des Suez. Exactement, 1956, d'accord. Voilà, exactement. Donc il y a une continuité, pensas. Il y a une continuité, et ce qu'elle pensait avec que. Sous le gouvernement de Sarkozy, il y a eu aquella fade l'ensemble que l'Europe s'est misfisée de l'Union pour la Méditerranée, UPM, qui era un peu le revés de UMP. Et c'est dire que France ensaçava de. Regardez, parce que c'est intéressant le cycle, et que qui no place France peut garder en cara dans la mare. D'autant que dans aquella mare méditerranéo, il y a un autre acte.
importante per l'avenir, és Turquia. De que fazem del rapport que França ten, fa com un rapport a me Turquia, dins a que la fa. Sabes que per l'UPM, l'UPM, lo mutu francès d'aquel moment era de s'apiejar sus Kadhafi. À Libye, en entournant sur le modèle turc justement, sur l'exportation ou l'importation des modèles, bon, Kéban et Kébé. Donc, mais pensas que ça passe partie de perdre dos des plombs, à quel exemple des d'armados, donc aux salafistes comme l'État islamique en Irak ou à la baisse Boko Haram, mais récemment en Afrique noire. Est-ce que ça partie de ce père Kouné, c'est par exemple les Sogan Kounégut, les Italiens, dans les années 70, groupuscule contre groupuscule, Mazaki, à une escale complètement différente. L'escale, per là, il y a que. Podi per comprendre un po' l'ande del mondo de way è una questione come se avesse il pendule. Il pendule è va d'un estremo all'altro. Quand un costat per esempio l'Occidente, ame de Brighetto, l'Occidente ben fa uno politico o un TCB l'individualismo e il materialismo. Quand va troppo da queste costat a mandunato di l'istorio e a tutt'un penso dell'altra costa, dell'altro estremo, che va a dire siamo contro quello visivo del mondo e noi abbiamo un visivo altro. Costa religioso e mistico. Tout à coup, ben, donc, de l'autre côté. Individualisme et constat religieux. Exactement. La communauté, parce que à niveau du monde musulman, il y a un quelque chose qui n'est pas compris, ta pau, dans le niveau occidental, et c'est la question de l'humain. La humain est une communauté des crescents. Est-ce quelque chose qui est comme une. Un impero, bon, parlavi tutta di Turchia. Turchia ha giocato un ruolo importante a me l'impero ottomano, che è il che aveva il califato in quel momento. E ci ha avuto un desmembramento fatto per tutti i potenti occidentali, che sono Francia e Inghilterra, per desmembrare l'impero ottomano che tenia uno meno di equilibri entre la religione e Abenagut, le frontiere d'Iraq, di Sirio, faccio per essenzialmente per Francia e per Inghilterra. A me due cause nuvelos, due stati nuvelos, l'Uliban, sous influence francese, e Israele, che veniva sous influence inglese in un primo tempo. A cui è un. È un chicom che i semen ple a loro dare, è dire di che facciamo le scure, di che facciamo. Oh, Luca li fa, sen dire est dal costato del terrorismo, che al comprende tutto ciò che si passa, e desburra di facet a che la fa e di tornare a un chicom in de foro da quelli frontieros che sono stati impausati in quel momento. Donc la cause du Helmut Khalifa, bon, n'est pas innocente. N'est pas innocente. Bon, simplement, normalement, il devrait y avoir qu'un seul califat. Mais pensez qu'il n'y a trois. Bon. En tout cas, trois califats, donc, n'est pas palliat ça qui. Ce intéressant, c'est de voir ce qu'il y a en arrière. Et à quelle fois, il y a un King Kong qui vient d'aquelle époque d'avoir des desmembrements. Et un rééquilibrage de las frontières et de las forces. Et de las energías. Bon, mais bien, en plat, c'est en arrang cap al cap de leur project de créer une soulimité des califates. Mais m'agradario d'abel ou vostre punéviste sur les primos arabes, qui se sont demandés en Afrique del Nord, et surtout leur débat de même, leur conclusion, qu'est-ce qui se passe en Karakabad, qui est une perpétuelle, donc un perpétuel reboum, il y a des reboumbiments permanents, si vous voulez pas. Pensez que des modèles comme le modèle tunisien, c'est peut-être expandi à l'ensemble de l'Afrique, à l'ensemble des Maghreb ou pas? Quand on parle à qui des primos, c'est quand même suffisant déjà en premier de qui a parlé des primos. Sous le terme occidental. Un terme occidental, et notamment même prime de révolution des œillets au Portugal et des jasmins. À quoi est une affaire qui s'est critiquée en Tunisie, parce qu'il ne vient pas des Tunisiens, normalement. Et nous avons les journalistes français et autres qui ont besoin de mettre un quicom des romantiques ou autres. C'est une révolution, contre un régime dictatorial qui s'est forcément piégé par France, comme tous les dictateurs
à qui dictatus de France Afrique, de la France Afrique. Ouais, spécial même Ben Ali. Attention, attention. Voilà. Hein. Et ça même le rôle d'une niche politique française à qui dédine. C'est ma cercate avec des modèles. C'est-à-dire que Tunisie est perçue comme un pays baisé, amique, un peu de France. Et quand parlons de révolution, avons tous une acquis en France l'idée de la révolution française. Et dire, donc, mais la révolution française, tout ce qui est acquisite, est sur une longue, et mai encore, ils ne sont pas arrivés. Hein? Donc, et vous savez qu'après les premières années de la révolution, il y a eu une période de terrorisme, de terreau. Hein? Donc, à quoi se fait cela l'ample del temps, t'avais. Mais c'est pas seulement sur le modèle français ou autre. Parce que nous avons un cadre société qui ne sera pas dans une histoire, dans sa richesse historique, et même dans le courant ou d'autres, il y a des causes qui peuvent être inventées et qui, belèvent, pourraient être un modèle t'avais pour nous autres. Rien n'est défini dans l'absolu. Si nous avons que évaluons trop souvent des règles qui expliquent que sont les nôtres, mais pas forcément à quels de... Et quand alors, parlons... aussi définiria ce modèle, tunisien, pour commencer, ou maghrébin des démocraties libérales. À maghrébin, bon, quand se parle de primo, nous n'allons pas qu'un, a priori, c'est la tunisienne, parce que nous n'allons pas le Maroc, et surtout en Algérie, il n'y a pas agut. Hein? Et mais c'est Algérie a patit d'une aux annados terribles, de les annados 90. Hein, donc, la situation est disparière selon les trois états, parce que la relation que tu avais avec l'Occident est différente de chaque pays. Maroc et Tunisie sont des états de protectorats, donc, avec une capacité de partir d'une expérience historique ou d'expériences identitaires propres au Maroc ou à ce qui s'est passé en Algérie, qui est le modèle français autoritaire et centraliste qui n'est pas tissé en encore. Hein, d'accord. Donc, si parle tout de suite du Maghreb. Maghreb veut dire Occident. Exactement. Nous avons, quand parlons d'Orient, quand tout de suite se pense, on commence l'Orient que nous avons pensé que c'est quoi l'Orient. Donc, l'orientalisme du siècle XIX dit qu'il a commencé en Andalus, en Andalusia. Donc, le Maghreb et après l'extrême orient à Val, au Japon. D'accord, nous allons concentrer sur l'Afrique del Nord. Donc... L'Afrique del Nord. L'Afrique del Nord est intéressante. Maghreb, à quoi vuol dire Occident rapport au monde musulman. Oh. Afrique del Nord, le nord d'Afrique, c'est-à-dire que Algérie, Tunisie et surtout Maroc sont liés à Mauritanie et au problème des Berbères et des Maures, comme on dit, hein, des Mauritaniens, qui ils se même plaît à qui, hein, mais à Mali et la fête avec le Mali. Mm. Et t'avais, le Maghreb est au sud d'Europe. Donc, il y a eu une longue histoire. Et bien, comme nous avons ici à niveau de la cité, à l'est d'Amérique. Bon. Et ici, dans ces quatre dimensions, on peut commencer à penser les causes différemment de ce que nous avons hérité du colonialisme. D'accord. Donc, on a même pas compris que le modèle occidental n'est pas universel. Non. Contrairement à ce que dit donc Francis non. Fukuyama. Mais. Aussi la démocratie à la façon on en dirait tunisienne ou marocaine ou algérienne ou égyptienne ou que ça bien car c'est pas desbouloupa ou meliora puisque les états nations les états sont tournés trop fortes de la résultat de la primos arabes c'est bien ça en Égypte par exemple les états nations qui sont menguts après le dismembrement justement del monde ottoman est pas état véritablement une capitale parce que l'état nation est une notion plus récente au fin final de l'histoire et qui répond pas à quel moment des humains comme se dit musulmane. Mais chaque pays, comme Tunisie ou d'autres, ne pourra pas, à l'intérieur de la seule culture, et donc c'est un parti musulman, hein, mais à me, ce qui ne pourra pas dans l'Occident,
d'intéressante et de valeureux dans la démocratie à l'occidentale. Mais alors, savons que nous avons, est-ce qu'en France, nous sommes toujours en démocratie, véritablement. Ici, il y a un problème de fonds, parce qu'il y a des mondes et d'intellectuels et d'autres, et bien, il y a un article à qui ne fait pas de temps, qui sont mai dans une oligarchie qui n'est pas dans une démocratie. C'est-à-dire dans une poudée qui est entre les masses d'une certaine quantité de personnes. Et donc, il n'y a pas ce phénomène oligarchique ou ce phénomène, ça n'est pas théocratique, on dirait, del Custat de Tunisie. Il y a tout ça. Parce que normalement, on savait ce qui s'est passé avec Ennahda. Mais le Nada, donc, elle a essayé de faire une politique un peu comme les frères musulmans. Bon, il n'a pas capité. Pourquoi ? Parce que Tunisie, au cas de pays, a une histoire un peu différente. Tunisie, il y a un mouvement syndicaliste plus important. Et surtout, un mouvement de fentanyl plus important. D'un pays bourguiba ou d'autres. Donc, à quoi fait de Tunisie un quiconque intéressant de segre. Mais le dernier cop, on s'est fait une conférence à Mamet, en Tunisie, on a parlé un peu avec le monde, et ce qu'ils disent le monde, parce qu'il y a des critiques qui disent, mais on ne n'est pas passé encore en démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Parce qu'en 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a des passés d'une poudée autoritaire. Prendre quand est-ce, pensez-vous? Prendre quand est-ce? Quel 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est dans un cambiement de la force à l'entour de la mer que ne savons pas ce qui va donner. Dès qu'il va donner l'année venue de Turquie, parce que pour moi, c'est mai important de ce qui va bouler. Parce que le monde turc est lié au monde mongol, turco-mongol, à quoi va de la mer d'Istanbul fins à Mongolie. C'est une culture qui est en train d'être récupérée. Mais il y a qui dit ce qui va. Et l'autre pays qui va influer sur cette côte B, et qui n'est qu'à la début, est Persio, la Persie. Qui a une histoire de 6000 ans, autant comme la comme Chine. Sans en attendre loin, en démarrant de la mare nostre, de notre bassin, enfin, la mare nostrum, bon, qui est partageant avec tant de monde. Le pays nostre, donc à des ligues séculaires, ils l'Orient, la baisse démonstrate per, je veux dire, l'œuvre grande de la vostre bide, qui sont les Orients d'Occitanie. Mais quand les souverainistes catalans disent que Barcelone doit tourner virer la tête au sud, diriez-vous la mettez sous cause au père Toulouse? Oh. De tout bien, l'avenir de Toulouse, fins à là, il n'y a pas qu'une dimension culturelle ou stratégique, c'est-à-dire que c'est dans la mire de Paris, c'est-à-dire que c'est une ville provinciale, provinciale et qui rapporte à Paris, qui va être à 3 euros l'EU, parce que c'est la TGV. La TGV, 3 euros, calquer la scousse à 3 euros de Paris. C'est à l'Eurodara, à Melutrin, à 3 euros de Barcelone. Bon, peraltro, espère que ce sera en grande. Car si Toulouse prend une importance, quelque chose deux scopes banlego. Banlego de Paris, mais à cause, c'est uniquement banlego de Paris, est provincialisé complètement à Pascal d'Aveni. Mais si c'est l'encopte avec le banlego de Barcelone, à partir de deux identités de banlego, se peut créer une dynamique. Se peut faire un kick-off. Mais l'Aveni de Toulouse est ligate, quelque chose, à la mare. Mais deux scopes de la posture des succursales, soit de Barcelone, soit de Paris. Deux scopes succursales. En aquel moment, posso pensare a un quicom. Se c'è un cop succursale, è la fa de Paris-Provence. Donc, c'è le 19e siècle, e si è accavata che la fa, ma bon, va continuare di las closcos. Ouais. Dunque, Barcelona ha giocato un ruolo importante. Quando si è passata che la fa de UPM, Union per la Méditerranée, di Sarkozy, ero per escafà il ruolo di Barcelona che abbiò agut, che abbiò pensato. Une affaire de la mer Méditerranée, en aquel moment. Donc, les Catalans ont dit il y a un qui comme avance. Hein? Donc, Barcelone a toute possibilité de se trapper une politique rapport au Maghreb, notamment. Et on sait que l'Algérie, qui ne veut pas d'entrée de la francophonie, à cause importante, et mai si France en sache de libuta, parce que
a compris et a causé un parlant dans les politiques argériennes que dans le milieu d'estre 5 ou 6 cops succursalistes d'Allemagne, d'Espagne, d'Amérique, de Londres, que d'estre uniquement ligat à Paris. Bon, en tout cas, Barcelone, Toulouse peut-être donc ligat à Barcelone, Saragosse, Tabé, au sud, donc Saragosse, Barcelone, bon, Paris, c'est au bol encore, enfin, c'est au bol sécurement. Donc, c'est une capitale, donc, une métropole des régionales. Impotentia. À toutes les possibilités. Oh. Et simplement, est-ce qu'il y a quelles possibilités, à quel potentiel sera exploité ou pas? Est-ce la discussion que j'avais chiamé des monnaies de la commune de Toulouse? D'accord, mais la semaine n'avait pas l'outil de l'ouz détaillard. Merci, plat Alain Suré Garcia, donc Autou des Oriens d'Occitanie, aussi que les conférences per tout camp. L'homestissage entre Occitanie et Orien. Alors, donc, aux Alain Suré Garcia, per aqueste 8 numéro de Carrecar. Merci, plat à toutes et à l'Alcop Québec.